Je m'appelle Demi Maurier, je suis sur le web depuis 20 ans quasiment. Je fais des trucs sur le web, je fais des sketchs, j'ai fait des trucs avec Monsieur Poulpe, j'ai fait un truc qui s'appelle Nerds, j'ai fait J'irai le lait sur vos tombes, j'ai fait le Golden Show avec François Descraques aussi, puis j'ai fait de la BD aussi, j'ai fait La Petite Mort par exemple, qui est devenu un dessin animé, vous pouvez voir sur YouTube, et en ce moment j'ai ma chaîne YouTube, je fais une émission qui s'appelle Bad News sur YouTube. Je suis à Japan Expo pour rencontrer mon public, dédicacer et animer la conférence France 5 parce que j'ai fait une petite voix dans l'album qui sort, dans l'album audio qui vont sortir et ils m'ont demandé d'animer la conférence. Donc je vais être dans une salle de 3000 places, je crois. Ça va, j'ai même pas peur. Mon actus, là tout de suite, c'est aller animer la conférence à Japan Expo. Mais sinon, il y a ma chaîne YouTube, donc Bad News. J'ai des émissions qui sortent tous les mardis à 17h45. Et j'ai des BD aussi qui sortent. Et j'ai une BD qui va sortir à la rentrée 2. Une BD qui s'appelle Les Sous-Vivants. Une BD de zombies, mais français. Donc pas d'action et quasiment pas beaucoup de zombies. Voilà, quasiment pas de zombies. Et une BD qui s'appelle Chaton contre dinosaures, où c'est Saint-Malo qui est envahi par des dinosaures, combattu par des petits chatons ninja. Alors je vais te dire ce que dirait ma mère du sexe. Mais ma mère, elle a pas tout compris. Alors moi, je dirais Sangoku. En vrai, j'ai dit Sangoku, mais l'animé de mon enfance, c'est plus les Chevaliers Zodiac. J'étais très fan de la mythologie, les armures et tout ça. Je me suis fait je sais pas combien d'armures en carton des chevaliers. Mais en vieillissant quand même, Dragon Ball a... Le trait d'Akira Toriyama est juste fabuleux et c'est quand même le dessin de mon enfance. Donc c'est le dessin animé de mon enfance, c'est les Chevaliers Zodiac et Dragon Ball c'est Forever. Ça doit être Full Metal Alchemist parce que je n'avais jamais vu Brotherhood et j'ai tout regardé d'affilée dernièrement. Je me demande si ce serait pas Cowboy Bebop parce que Cowboy Bebop il y a quand même plein de choses ou Cobra. Non Cobra, Cobra c'était tellement bien, Cobra.